doigts jetés, une main serrée, un granit, et c'est parti! Exhibile tendrement tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas pour se faire plaisir. Petit pas à pas facile. Petit pas à pas qu'on note dans notre petit carnet à destination de, soit pour soi-même, soit pour faire cadeau. On peut le garder même jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir, il est vraiment très très simple à faire. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser le fil macramé que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a un rendu très très boutique. Vous l'avez en plusieurs coloris, d'autres coloris même. Je vous laisse aller voir ça sur la boutique Laine du Monde. Pour ma part, crochetant lâche, je prends un crochet en 2,75. Vous crochetez normal, prenez du 3 voire du 3,5 si vous n'avez pas de 3,25. Si vous avez 3,25, c'est parfait. Si vous crochetez serré, prenez du 3,5. Ou du 375 ou du 4, à vous de voir. D'accord? Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va être assez simple. On va faire, donc moi j'ai choisi de le faire en gris et d'utiliser ce très joli petit bouton très moderne qui donc s'adapte avec tous les coloris. C'est ça qui est génial. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a une forme un petit peu spéciale. Pour fermer le sac, ça va bien le faire. Et nous partons donc sur une chaînette de 12 mailles plus une pour tourner. Et on va faire des rangs donc de 12 mailles. L'important étant de faire un nombre de rangs multiple de 4 plus 1. C'est-à-dire par exemple vous pouvez faire 37 rangs. Tout ce qui est 41, 45, 49, etc., etc. Vous ferez la grandeur qui vous convient. Voilà. Tout ce qu'il faudra, c'est que on arrive à faire un contour avec un multiple de 4. Et là est l'important. Donc, on va commencer par faire une simple chaînette de 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La douzième de fait, j'en fais une supplémentaire. Et là, je viens faire 12 mailles serrées. Alors, c'est vrai que là, je travaille, j'ai choisi un crochet bien plus petit parce que je veux quelque chose qui ait de la tenue. Donc, pour un sac, c'est ce qu'il faut. Et on crochète toujours plus petit que ce qui est préconisé. Là, par exemple, il est préconisé du 4 pour faire des sacs. Si on veut que ça tienne, qu'il y ait une certaine rigidité, alors si vous crochetez serré, bien évidemment, il y aura de la rigidité, il n'y a pas de souci avec un crochet 4. Mais si vous crochetez comme moi lâche, il faut vraiment descendre pour avoir donc une certaine rigidité. Donc on fait nos 12 mailles serrées, puis on y arrive à la fin. Encore une. Voilà. Puis nous allons faire une maille en l'air et on va faire des mailles serrées. Alors absolument pas en brin arrière, des mailles serrées tout à fait normales. Et il nous faut donc un nombre de rangs multiples de 4 plus 1. C'est le seul impératif et je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes parce que ça va quand même assez vite. C'est de la maille serrée, ça monte vite à deux sites. Alors, voici donc, comme vous voyez, ça fait un petit peu plus de 20, les lattes faisant 5 cm. Ça fait à peu près 24, ce qui est parfait pour un tout petit sac. Donc, pourquoi multiple de 4 plus 1? Parce que on va considérer que nous avons déjà travaillé ce rang. On va remonter les mailles ici. On en aura 40. On remontera les mailles ici. On remontera les mailles ici. Et nous aurons donc un total de mailles multiples de 4. C'est ce qu'on a besoin
pour créer notre ouvrage. D'accord? Donc voilà, ici, on ne va pas venir piquer donc là, mais on va venir piquer ici. Alors, vous voyez, ça fait comme des coutures. Vous avez des petits traits, puis vous avez des creux, des traits, des creux. Donc, chaque fois que vous piquez et dans les traits et dans les creux, de façon à remonter les mailles. Là, pour le coup, je veux 40, j'ai dit que j'en avais 45, donc il me faut 44. Je vais remonter 44 mailles. Serré, bien évidemment. Allez, je vous rejoins à la 44e. Voilà, là, j'ai mis 44 mailles. Et ça, c'est donc mon dernier rang, hein, le plus 1, que je vais travailler donc seul. Et je vais venir donc piquer ici et je vais venir faire donc mes 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e juste ici. Voilà. Là, je vais rentrer le fil et je repars donc pour mes 44. Je ne pique pas ici, mais là. Et je repars donc pour mes 44. Mailles serrées, exactement pareil que l'autre côté. Donc voilà, ici j'ai 12 mailles, ici j'ai 44, 12 et 44, soit un total qui est vraiment multiple de 4, et c'était là l'important. Là, nous allons venir donc dans le brin arrière, donc on termine donc ce côté, on vient dans le brin arrière ici et on vient faire donc un total, donc sur la totalité du rang on travaille en brin arrière. Donc vous comptez bien, vous vérifiez bien que vous avez bien un multiple de 4. Si c'est pas le cas, ben écoutez, pirouette cacahuète, vous rajoutez, vous enlevez, mais normalement il n'y a pas de raison. Allez, je vous retrouve donc ici. S'il faut, on va mettre un petit marqueur. Voilà, la première maille étant ici. C'est parti pour un multiple de 4 sur la totalité du rang. Là, il n'y a plus un multiple de 4 plus 1, hein, c'est vraiment un multiple de 4, c'est logique. Voilà, quand on termine notre rang, on retire donc le marqueur ici et on vient faire une maille coulée dans la totalité de la maille. Une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire une maille serrée. Toujours pareil, si vous préférez marquer pour pas vous perdre, eh bien écoutez, c'est le mieux à faire. Donc une maille serrée et ensuite on fait une maille serrée mais allongée. Là est la maille serrée et là est l'allongée. Donc on descend et on fait allonger. Maille serrée dans les deux bras, hein, puis maille serrée allongée. Alors vous voyez, là elle est allongée, là non, donc c'est ici. Maille serrée. Là, elle n'est pas allongée, donc c'est ici. Voilà. Et ça, vous le faites donc sur la totalité de votre rang. Et on se rejoint en fin de rang en ayant fait des mailles serrées et des mailles serrées allongées. Voilà. Quand on arrive en fin de rang, on retire le marqueur. Et le premier, là, c'était une maille serrée normale. Donc, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air et c'était une normale, donc ça devient une allongée, c'est-à-dire qu'on vient piquer dessous la maille serrée.
Voilà. Donc, ça devient une allongée. On va le remarquer. Ici. Et puis maintenant, vous allez contrarier tout ce que vous avez fait sur le rang précédent. C'est-à-dire que tout ce qui était, vous voyez, c'était une allongée, eh bien, elle devient normale. À côté, c'était une normale, donc vous piquez dessous et vous faites une allongée. Celle d'après, c'était une allongée, donc elle devient normale. Et je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire jusqu'ici. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on va faire encore un rang comme ça. C'est pour qu'il y ait une bonne solidité, une bonne rigidité sur le bas du sac. Donc ici, vous avez l'allongée. À côté, vous faites la maille coulée, une maille en l'air. Puisqu'elle était allongée, elle devient donc normale. Et on la marque, bien évidemment. Et là, vous repartez, bien écoutez, sur la totalité du rang. Pareil, en contrariant tout ce que vous venez de faire. Là, c'était normal, donc ça devient allongé, etc., etc. Vérifiez bien sur ce rang-ci que vous avez bien un multiple de 4. C'est hyper important parce qu'à partir du rang prochain, on va avoir besoin de notre multiple de 4. À tout à l'heure. Voilà, nous avons à présent une base bien solide qui va pouvoir recevoir le haut du sac sans aucun problème. On va donc venir dans la maille qui est marquée pour venir faire, en retirant le marqueur, donc notre maille coulée. Et on vient faire donc une, deux mailles en l'air. Là maintenant, on va venir faire une bride dans la même maille. C'est ça qui est important. Ici, dans la même maille, on fait notre première bride. On n'a pas besoin de la marquer, on va la voir. Allez, c'est une bride, donc on la voit bien. Ensuite, on va faire donc sur la totalité du rang des brides et rien d'autre. Premier rang, uniquement des brides. Allez, on termine notre rang avec la dernière ici, comme ceci. Alors par contre, je vais augmenter un petit peu le crochet pour que ce soit un petit peu plus détendu parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop rigide. Je vais augmenter le crochet de très peu, je vais passer à 3 si mes yeux veulent bien, voilà, 3. C'est pas beaucoup, mais ça veut dire beaucoup, comme disait la poétesse. Allez, on vient retirer notre marqueur, on vient mettre ici notre maille coulée, et là, c'est le début des festivités. Donc, nous venons, après les deux mailles en l'air, faire une bride normale. Et là, maintenant, nous allons travailler de façon un petit peu particulière. On va bien évidemment marquer déjà notre bride dite normale, ici. Donc là, on va venir attraper ici la bride par l'avant. On récupère le fil une fois, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil deux fois. On fait un premier jeté sur ce qu'on vient de faire et un deuxième jeté sur les deux mailles. D'accord? Et on recommence. Donc maintenant, nous allons faire 3 brides. Donc, 3 brides normales. 1, 2, et voici la troisième. Ça, on va le faire sur la totalité du rang. Hein. Donc ici, sur la quatrième, vous venez, vous mettez le fil donc comme ceci et vous récupérez le fil une fois. Le fil sur le crochet, vous passez donc par l'avant, vous récupérez le fil deux fois. Un premier jeté, puis un second jeté et vous allez faire ensuite vos 3 brides normales. Voilà. Bien, cette séquence sera à répéter sur la totalité du rang. On le refait une dernière fois si vous voulez bien.
Voilà, on vient donc dans la quatrième, ici, on récupère le fil une fois. Le fil sur le crochet, on pique, on récupère deux fois. Un premier jeté et un second jeté. Voilà ce que nous obtenons. Et là, on repart donc pour trois brides normales. Je vous rejoins donc en fin de rang. Normalement, en fin de rang, on aura deux brides normales, puisque là, il y avait la troisième. Donc, ça sera donc celle-ci qui sera avec les prises par l'avant. On termine donc le rang, puisque là, nous en avions une. Il faut compléter les deux. Là, on a donc la prise par l'avant et là, la prise par l'avant. Donc, il faut que nous fassions deux brides pour avoir la même séquence de trois brides et prise par l'avant. Donc, ici, une et deux. Voilà. Là, on arrive donc dans la première maille. Et ça fera la troisième. Donc, une maille coulée. D'accord? Là, maintenant, on va refaire deux mailles en l'air. Donc, une, deux. Deux. On fait une bride sur la bride. C'est donc la première maille de notre rang. On va la marquer. Elle est ici. Et là, maintenant, tout va être décalé. C'est-à-dire que là où vous aviez fait la prise par l'avant, ça va être une bride normale. Et la suivante, ça va être prise par l'avant. Donc, je pique, je récupère le fil. Je mets le fil sur le crochet, je pique, je récupère le fil. Je fais un premier jeté, puis le second jeté. Et là, je fais trois brides. Pareil. Donc, une, deux et trois. Et la quatrième, c'est prise par l'avant. Donc, on prend par l'avant une fois, deux fois, un premier jeté et un second jeté. D'accord? Donc, vous refaites exactement pareil, trois brides par l'avant, ça sera chaque fois en décalage. On se rejoint donc en fin de rang, où ça, là, ça sera par l'avant, et les autres seront des brides normales. À tout à l'heure. Donc, là, nous arrivions en fin de rang, et du fait qu'il y avait une, deux, ici, ça, c'était la troisième. Donc, c'est bon, on peut venir faire notre maille coulée dans la première. Qu'il faut toujours qu'il y ait trois d'écart entre celle prise par l'avant et les autres. Voilà. Là, maintenant, on vient faire une deux mailles en l'air et nous allons faire la bride ici, toujours partant sur trois brides. Donc, celle-ci, nous allons la marquer pour qu'elle soit comptabilisée. Voilà. Et là, donc, on a la première ici, la seconde ici et la troisième sur celle donc qui avait été prise par l'avant. Et nous allons faire dans celle d'après, et bien voilà, la bride boulette prise par l'avant, un jeté, une maille en l'air, vous faites exactement la même chose, les trois brides, etc., etc. Et on se rejoint en fin de rang, parce que là, je pense, si je compte bien, ça sera dès la première, je vais vous dire ça, une, deux, trois, oui, ça sera dès la première ici que nous allons faire la même chose, d'accord? Et après, vous ferez donc simplement des répétitions. Allez, je vous rejoins en fin de rang, où ici, il y aura donc une bride. Et ici, nous viendrons faire notre bride boulette. Voilà, on va appeler ça une bride boulette. À tout à l'heure. Donc là, on a fait nos 1, 2, 3. Donc ici, ça sera celle qui sera par l'avant. Je sais, tout à l'heure, j'ai pris ou comme ça. Vous voyez, où je mets le...
par-dessus, c'est exactement pareil. Hein. Du moment où on prend par l'avant et qu'on met, qu'on fasse une espèce de petite boulette, ça suffit, c'est pas grave. Donc voilà, celle-ci est par l'avant. Donc on a bien une, deux, trois boulettes par l'avant. Et là, on vient faire notre maille coulée. Et maintenant, eh bien, écoutez, on va venir travailler celle-ci par l'avant, puisqu'elle suit la boulette précédente, c'est-à-dire qu'on va venir faire une, deux mailles en l'air. Et là, vous allez faire, soit vous mettez le fil par-dessus, soit pas, comme vous le sentez. Vous venez donc prendre une fois, deux fois, un jeté, une maille en l'air. Et là, vous faites vos trois brides normales. Une, deux et trois. Et ensuite, vous continuez comme ça. Celle-ci, ce sera par la boulette par l'avant, etc., etc. Donc maintenant, bien, vous reprendrez exactement ce que nous avons fait donc dès le départ, puisque sur le rang d'après, ici, il y aura une bride, une maille coulée, par-dessus une bride, et la deuxième sera celle avec une boulette. Donc, ce n'est qu'une répétition. Vous allez répéter ça jusqu'à ce que vous obteniez une hauteur de approximativement 21-22 cm, puisqu'on utilisera 1 ou 2 cm pour faire la finition en haut. N'oubliez pas, donc là, dans celle-ci, c'est donc la première. Donc, c'est là que vous ferez votre maille coulée. Et la première des trois brides. Et puis voilà, hein, vous avez simplement à continuer. Comme sur les rangs précédents, ce n'est que de la continuité. Voilà. Et bien, je vous retrouve dans quelques centimètres quand on aura avancé. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Allez, je vous rejoins quand on est approximativement à 21-22 cm de hauteur globale. Alors, une fois qu'on a terminé notre... Moi, je trouve que ça suffit hein, au niveau des rangs. Donc là, je viens faire ma maille coulée. On va faire quelques rangs donc de finition pour pas que ce soit aussi abrupt. Donc, on fait une maille en l'air et on va faire de la maille serrée en jersey. Donc on fait maille serrée sur tout le premier rang. Donc pour que ce soit ressemblant à ce que nous avons fait en bas, on va venir donc ici faire notre maille coulée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. Dans la première, on va faire donc en jersey simple. Donc on pique dans le V, et pour la deuxième, on va venir l'allonger, d'accord? Celle qui suit en jersey simple, et celle qui suit en jersey allongé. Voilà, on fait ça sur la totalité du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Donc là, par contre, je vais faire, pour avoir le même nombre de rangs, un rang supplémentaire, mais je vais descendre mon crochet en 2,75. Donc, on refait le même rang, mais on inverse, bien évidemment. Là où nous avions ici une normale, ça devient une allongée. Et où nous avions donc une allongée, ça devient une normale. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On va venir donc faire le dernier rang uniquement en jersey. Pas de long, pas de court. Une maille en l'air, donc maille coulée, maille en l'air, et dans toutes les mailles, vous allez faire donc simplement
du Jersey. Voilà. Et là, ça sera la fin de cette partie et on pourra attaquer donc la pâte et les anses. Donc là, tout le long, vous faites que du Jersey. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Eh bien, vous avez soit une vidéo sur cette chaîne, soit sur Crochet Academia, où je montre comment je fais ces fonds de sac rigides que je passe de sac en sac. Ça permet d'avoir donc un seul fond pour plusieurs sacs, pour plusieurs enveloppes, tout simplement. C'est rigide, ça tient bien. Ça vous permet de pouvoir, si vous avez besoin de le nettoyer, bien de le nettoyer, de nettoyer votre sac. Carrément, vous pouvez laver votre sac et garder votre fond. Et ça vous permet aussi de ne pas changer vos affaires de place. Vous prenez juste le fond et vous le passez de sac en sac. Ça, c'est le petit modèle. Il y a le grand modèle pour les grands sacs qui font plus de 33 cm, entre 33 et 40 cm de large, avec une base de plus de 30 cm. Là, c'est une base donc de 24 cm. On a donc terminé ici. Là, par une maille coulée dans la première maille, et on vient donc couper le fil, rentrer le fil, tout ce qui fait que on termine pour cette partie-ci. Allez, je rentre le fil et je suis à vous. Alors, fond de sac, pas fond de sac, c'est vous agirez exactement de la même façon. Vous allez venir attraper votre sac et bien le pincer pour venir le mesurer. Voilà, au mieux. Donc, on pince bien fort et on mesure. Et là, j'ai 32 cm. Donc, la moitié de 32, c'est 16. Donc, à 16, je viens mettre un marqueur dans la maille du 16. Et cette maille du 16, ici, on va dire que c'est la première maille. On va venir compter toutes les mailles. Donc, jusqu'ici, parce qu'il va falloir maintenant faire les séparations. Donc, nous allons répartir de la façon suivante. Ici, par exemple, moi j'ai la première et j'ai 112 mailles au total. D'accord? Donc il va me falloir la moitié. Donc vous faites votre moitié à vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc moi, ma moitié de l'autre côté sera 56. Voilà. Là maintenant, les 56 ici, il me faut encore la moitié. Ce qui me fait 28, donc mon côté de sac, la moitié c'est 28, et l'autre côté du sac, la moitié c'est 28. D'accord? Donc là, on a d'ici à ici, à là, 28 multiplié par 4. On va en avoir besoin pourquoi? Premièrement, pour venir placer le bouton. Voilà. Alors, donc, maintenant qu'on sait où est notre moitié, on va venir placer le bouton devant. Ici, la maille est ici. Je descends et je viens placer mon bouton grossièrement ici et je viens le coudre. Donc là, maintenant que nous avons fait nos séparations, 28, 28, 28, vous, selon vos chiffres, on va venir donc créer la pâte à la... Alors, faites pas comme moi. J'ai perdu une demi-heure à me dire, mais comment je vais passer mon aiguille à laine dans le trou du bouton, qui est un bouton d'habillement. Donc voilà. Il fallait simplement prendre une aiguille normale avec du fil normal. Ah, parfois, je ne suis pas la chips la plus craquante du paquet. Hein.
Alors, à présent, on va venir faire la petite pâte ici et les anses. Pour ça, on va faire une chaînette de 6 mailles dont on ne serre pas le départ puisque le nœud va être voué à être retiré. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en fait une septième. Oui, mon cœur, bien sûr. Allez, on fait maintenant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est en train de se battre avec sa lucette. Allez, on retire le nœud maintenant avec une aiguille à laine ici. Hop. Voilà, et on tire. Et ça, vous voyez, ça fait quand même plus joli. Là, on va faire maintenant la petite boutonnière. Pour ça, on vient faire une maille en l'air. On tourne. Ici, on fait deux mailles serrées, donc une augmentation. Donc, une et une deuxième au même endroit. Hein. C'est une augmentation. Donc, on en a quatre au milieu. Une, deux, trois, quatre. On vient faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on vient, donc, après les quatre, une, deux, trois, quatre. Ici, dans la dernière. Et on fait aussi une augmentation. Donc, deux mailles serrées. Une. Et deux. Une maille en l'air. On tourne le travail. Là, maintenant, on va venir faire. Donc, nos deux mailles serrées ici, on ne fait pas d'augmentation. Par contre, dans l'espace, vous allez faire une, deux, trois mailles serrées et là, vous faites vos deux mailles serrées pour terminer. Donc, une et deux. Voilà, vous avez créé. Donc là, votre boutonnière comme ceci. Là, maintenant, on va commencer à travailler avec des augmentations devant chaque fois et derrière. Alors, un coup avec des mailles allongées et un coup sans mailles allongées. D'accord? Donc, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. On vient dans la première, on fait une maille serrée normale. Puis dans la même, en bas, juste en dessous, vous allez faire une maille serrée allongée, une maille serrée normale. Vous allez venir piquer donc à l'intérieur ici et vous faites une allongée. À côté, vous piquez une normale. À l'intérieur, une allongée. Puis ici une normale, vous avez la dernière ici où vous faites une allongée et vous repiquez ici et vous faites une normale, d'accord? Une maille en l'air, on tourne le travail et maintenant on met des mailles serrées dans toutes les mailles que nous venons de faire. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 et 9. Une
Et là maintenant, ça sera, c'est toujours pareil, hein, un rang de normal et un rang avec les allongés. Donc la première, c'est une maille serrée normale et au même endroit, on fait mais plus bas la maille serrée allongée, ce qui fait qu'on a fait l'augmentation. Et on poursuit, normal, allongé, normal, allongé, normal, allongé, normal, et dans la dernière, on fait toujours une allongée d'abord, puis une normale. Une maille en l'air, on tourne le travail et là vous faites tout le rang en maille serrée normale. Je vous rejoins en fin de rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et on recommence la même chose que nous avions fait donc pour le système des mailles serrées normales, donc dans la première. Suivi toujours dans la première, ici, on vient faire une allongée. Dans celle d'à côté, une normale. Dans celle d'après, une allongée. Normale. Allongée. Il faut que nous allions jusqu'à ce qu'on ait 14 mailles au total. À 14 mailles, on arrête, on ne fait plus d'augmentation. D'accord? Allez. Donc là, on était sur normal, donc allongé, normal, allongé, normal, et il nous en reste une dernière, donc on fait allongé, et la dernière doit être normale. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là, ce ne sont que des mailles serrées, donc ça nous permet de compter le nombre que nous en avons. Pour ma part, j'en ai donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, et oui, je vous ai dit une bêtise, 12 et 13. Vous ne pouvez pas avoir un nombre pair parce qu'on est sur un nombre impair. Donc, c'est 13 mailles. Quand vous avez 13 mailles, c'est bon. Allez, on va donc faire un rang de mailles serrées allongées, une maille en l'air. Ici, on fait une normale. À côté, une allongée. Normal, allongé, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous ne faites surtout pas d'augmentation, vous ne coupez pas le fil. On se rejoint pour joindre la patte à l'ouvrage. Voilà, on termine par une normale. On va venir couper le fil sur une cinquantaine de centimètres. On passe le fil dans la maille, hop, on vient rentrer le fil en bas, donc là vous allez venir mettre le bouton, vous situez en plein milieu, vous êtes sur un nombre impair de mailles, donc la maille que vous avez mise ici, vous la situez au milieu. On a dit qu'on en avait 13. 13, donc, ça fait 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et c'est la septième qui est au milieu. Si vous voulez, vous pouvez même... Hop. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. La septième est ici. Voilà, ça vous permet de vous repérer. Comme ceci. Là, vous avez donc votre fil et vous allez venir donc bien les 7 une en face des autres. Donc venir mettre une maille dans une maille pour venir fermer. Alors n'ayez pas peur, le fil est hyper méga solide, il n'y a aucun risque ni d'arrachage ni de quoi que ce soit, le fil est fait pour, hein. Voilà, donc vous mettez toutes vos mailles, une bien en face de l'autre. N'ayez pas peur de tirer, ça ne risque absolument rien. Je vous rejoins à la fin, vous ne faites pas de nœud, vous ne coupez pas. On se rejoint ici, au bout de la 13e. Arrivé à la dernière, vous n'hésitez pas à faire bien des allers-retours pour que ce soit propre et bien droit. C'est surtout ça qui va être important. Voilà, quitte à piquer dans celle d'après, c'est pas grave, l'important c'est que ce soit bien bien droit. Voilà, on tire bien. Donc voilà, le bouton est à présent bien cousu. On va venir s'occuper maintenant des anses. Donc pour les anses, on va faire le même système. Alors par contre, vous laissez une trentaine de centimètres de fil. Vous faites 13, vous ne serrez pas le nœud, on va le défaire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, vous en faites une 14e pour tourner, donc vous faites la première. C'est le rang de mailles serrées. Donc, une. Deux. Trois. Douze. Et treize. On défait le nœud qui est gros et moche. Hop. Voilà. Et là maintenant, ça va pas être compliqué, il n'y a pas d'augmentation ni rien, mais c'est simplement ce que nous avons fait sur la pâte, c'est-à-dire que ça sera un rang de mailles serrées normal. On vient faire une maille en l'air. Dans la première, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, on fait une maille serrée allongée. Celle qui suit, une maille serrée. Celle d'après, une maille serrée allongée. Donc on les repère exactement pareil que précédemment à chaque fois. On descend bien. Voilà. Une maille serrée. Et on va jusqu'au bout. Au bout, vous aurez une maille serrée normale. Et donc la dernière ici, c'est une normale. Voilà. Une maille en l'air et vous refaites pareil. Le rang d'après, c'est uniquement que de la maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, vous allez refaire exactement la même chose. Maille serrée normale. On ne contrarie pas là, on ne s'embête pas. Maille serrée allongée. Maille serrée normale. Maille serrée allongée. Et vous faites ça sur ...40 cm.
À 40 cm, vous avez laissé à peu près 30 à 40 cm de fil qui nous serviront à joindre sur le sac. On tire le fil comme ceci. Et là, vous allez venir vous placer au centre. Voilà, donc à 20 ici. Et normalement, vous devriez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 7 bandes à peu près. Vous prenez les deux premières, vous venez les plier sur les deux suivantes. Et les deux dernières, vous venez les plier sur les autres. D'accord ? Donc, une fois que vous avez plié en 3, vous voyez, ça fait comme des coutures. Donc, vous les placez bien les unes sur les autres. Donc là, vous rentrez le fil à l'intérieur. Vous vous retrouvez juste au bord, ici, comme ceci. Et là, vous allez venir attraper et attraper donc le bord, comme ceci. Et vous refaites encore une fois pour venir bloquer. Là, vous le bloquez. Hop. Passez le fil à l'intérieur pour faire un nœud. Voilà. Une fois que le nœud il est fait, c'est tenu. Donc, là, on avait dit deux bandes. Et on les voit, hein, ça fait des traits. Donc, deux bandes à l'intérieur et les deux autres qui vont venir par-dessus comme ceci. Et là, vous allez venir joindre donc d'un côté et de l'autre. Hop. Et on continue donc comme ça à joindre. Vous laissez à peu près une dizaine de centimètres de là à là. Voilà, quand vous avez vos 10 cm, vous venez donc bloquer. Faites un nœud pour bloquer. Hop, bien fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, en fait, ça va être dessous. À l'intérieur de l'anse, comme ceci. On va joindre comme ça, d'accord? Donc, une fois que vous avez bloqué, vous rebloquez un petit coup pour être certaine, voilà, que ça ne bougera pas. Vous venez passer votre fil à l'intérieur pour venir de l'autre côté. On va jusqu'ici où on a commencé la couture. Et là, vous faites exactement la même chose. Vous voyez, elle est là, la couture. Donc, c'est elle que vous pliez et vous revenez rabattre celle-ci par-dessus jusqu'à laisser la dizaine de centimètres. Vous savez, mes lattes font 5 cm chacune, donc jusqu'approximativement ici. Arrivé au bout, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je fais un bon nœud de serrage et je vais venir rentrer le fil. Voilà, une fois qu'on a formé notre petit boudin, on vient bien l'arrondir en sachant que ça va être le dessous. Voilà, n'hésitez pas à appuyer pour bien l'arrondir, comme ceci. Et de chaque côté, vous avez gardé du fil. Donc ce fil, on remet une aiguille dessus. Vous avez 13 mailles. Vous aviez mis un marqueur sur la maille centrale. Donc, vous positionnez la centrale avec le marqueur et vous allez tout simplement venir joindre. Hop, c'était pas dans le bon sens. Voilà. Et vous venez joindre donc
une maille dans une maille en faisant plusieurs passages dans la première et dans la dernière. Vous prenez la maille entière, vous prenez la maille entière et là vous faites plusieurs passages. C'est mieux, ce sera plus solide. Et vous ferez pareil de l'autre côté. Donc là, il est possible que ce soit un petit peu trop ouvert. Donc une fois que vous avez placé vos anses, vous venez placer correctement là ce qui est trop ouvert, comme ceci. Et vous allez venir le joindre . Alors, on peut prendre le fil qui est ici, par exemple, remonter. Et vous ferez pareil de l'autre côté. Et je vais donc joindre les 4-5 cm qui manquent. Je ferai exactement pareil de l'autre côté. Et ainsi, ma anse sera terminée. Et bien voilà, le sac est à présent terminé. Vous pouvez bien évidemment, si vous le désirez, rajouter une chaîne ou faire tout simplement la anse plus grande si vous le portez épaule. Vous savez que j'aime bien mettre des petits gris-gris, je trouve ça rigolo et ça donne de la bonne humeur. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. N'hésitez pas surtout, si vous le désirez, à mettre un fond de sac. Vous le faites une fois et vous êtes tranquille pour tous les sacs que vous allez faire, peu importe la saison. Voilà, ça vous donne quelque chose de propre. C'est important, ça vous donne donc une jolie forme à vos sacs. C'est pas compliqué à faire. Vous verrez, si vous voyez la vidéo, vous verrez que c'est vraiment très simple à faire. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.